Bonjour, bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très, très bien. Il y avait une belle vente chez Michaels. Bon, je sais que mes copines d'Europe n'ont pas de Michaels, mais pour les Canadiennes, ça peut être intéressant. En fait, on va commencer avec mes copines. Les Copics, il est en spécial, vous n'achetez un, vous avez le deuxième à moitié prix. Donc, je trouvais ça très, très, très intéressant. Et, ben, moi, j'avais pas les naturels, les gris naturels. Puis, c'est ça. J'ai dit, bon, ben, tiens, pendant qu'ils sont pas chers, je vais aller les chercher. Donc, j'ai un bleu que je voulais, puis j'espère que je l'ai pas. Non, je ne l'ai pas, ça tombe bien. Le 66, parce que c'est comme un bleu mauve. Attendez un petit peu que je vous montre. Oups, ça c'est plein. Peut-être. Ah, ça c'est bien. C'est un bleu mauve comme ça. Il s'appelle. Comment il s'appelle? Clématis. Donc, je le trouvais très beau. Alors, j'ai mon petit bleu, puis naturellement mes gris. Puis ça, c'est vraiment une aubaine parce que je vous dirais qu'ici, là, comme chez Michaels, là, sont rendus à 7,99 $, on va dire 8 $ chaque. Fait que quand on en a à 4 $, ça vaut la peine. Et là-dessus, j'en ai deux qui sont à 4 $. Donc, ça valait la peine. Bon, vous savez, j'ai refait le ménage, le design de mon atelier, pas le ménage, c'est le bordel, mais autre, j'avais en verre, quand ma scrap room était en verre, j'avais ce petit kit-là. Puis ça, c'est un petit kit qu'ils ont toujours, toujours en vente. Fait que là, vu que ma scrap room est rendue rose, ben, je l'ai pris en rose. Ça, Michaels, ils vendent tout les équipements pour la cricotte et le vinyle et tout et tout que j'achète beaucoup. Et là, ben mon petit pou il grandit, hein? Il va avoir 4 ans bientôt. Et là, j'ai dit, ah, mamie pourrait faire un beau t-shirt. Puis les t-shirts, normalement, sont à 5,99 $ et là, il y avait 30 % de rabais. Donc, quand même, j'étais très contente. Puis j'ai pris dans le bleu sa couleur préférée. Puis je vais y mettre un petit. J'ai pas encore choisi ce que j'y ferais dessus, mais bon. Posca. J'adore les Posca. Puis vous savez comment c'est cher. Donc, j'ai pris juste le rose, le Posca, parce que j'ai déjà des blancs. Mais en regardant mes Posca, j'ai trouvé ce petit kit-là de Craftsmart qui était 14 crayons pour 20 $. Puis bon, chez Michaels, vous savez, l'article le plus cher, vous l'avez avec 30 % de réduction. Donc, ils ont passé, j'ai sauvé 6 $ là-dessus. Donc, j'étais très contente. Et ben c'est ça. Je ne sais pas encore ce que ça donne, mais j'ai toutes les couleurs. Donc, je vais essayer. Parce qu'ils disent que c'est. Ben moi, j'ai pris pointe moyenne. Parce que c'est celle que je me sers le plus. Mais ils disent idéal pour le bois, le plastique, le métal, le verre, résistant à l'eau. Et moi, c'est pour peindre sur mes petits. Bon, parce que là, je les ai serrés. Mes petits trucs en résine. Comme ça. Donc, pendant que je vous parle, je vais l'essayer. Hein? Est-ce qu'on est capable de l'ouvrir? Et voilà. Tiens. On va faire un verre. Oh, ils sont même attachés à l'intérieur. Pourquoi qu'ils tombent, c'est-tu drôle? Ils ont même mis un. Bon, ça va être la même chose qu'il faut pousser la mine. Shaker, pousser la mine.
J'ai peut-être pas assez checké, hein? Je vous dis une chance que ma caméra est sur un mât. Parce que... Ah, là, voilà. C'est ça. J'avais pas assez checké. Ah, donc la couleur est très belle. On va essayer ça. Donc, j'ai des petites fleurs ici, là, sur son costume. Quand même, c'est très bien. Parce que j'en ai d'autres petites décorations comme ça à faire. Puis si ça fonctionne sur ma résine, c'est merveilleux. Bon, il faut en mettre comme plusieurs couches là, si on veut que ça adhère bien. Quand même, ça va très très bien. On va attendre quelques secondes. Voir si ça sèche. Et là, je vais faire... Oh, excusez-moi pour le bruit. Mes petites pommettes roses. Bon, on va détacher parce que de toute façon, moi, ils vont aller dans mon truc de crayon. Sylvie, il faut que tu checkes. Ça a l'air à bien tenir sur mon... Non, la couleur n'a pas disparu ni fadi, là. Oh, le rose, il est pétant. J'aime ça. Il va faire des petites pommettes. Hey, hein? Ça, c'est des pommettes roses. Youhou! À date, je suis très satisfaite des couleurs. Les couleurs sont vibrantes. Et moi, la couleur, une des couleurs que je me sers le plus naturellement avec les peintures, c'est le blanc. J'ai pas assez checké. Tiens, je vais prendre le noir tout de suite, comme ça. Le blanc. Il s'en vient. La première utilisation, c'est toujours le plus longue. Bon. On va essayer ça. Ce que ça donne. À date, j'avais juste mes Posca que je pouvais utiliser. Oh, c'est bien, c'est bien. J'ai mis mon doigt, c'est bajou. Ah, c'est bon, ça n'a pas resté sur mon doigt. Hey, quand même, hein? Quand même, je suis très satisfaite pour le prix, là. Très, 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 très satisfaite. Bon, le noir. Ça, c'est comme des couleurs standard noir, blanc. On fait les petits yeux. Hey, hein? Regardez ça, c'est mignon. Ouais. Hop là. Très beau. Je pense que ça ressort plus sur mon noir. Hein? Ouais. Franchement, pour le prix, CraftSmart, c'est les crayons peinture. Je suis très satisfaite. Je vais tout essayer ça plus tard. Bon, Posca, hein? Posca, on s'entend que c'est toujours d'actualité.
Mon 176 grammes, le papier, moi, c'est ce que je me sers le plus. Et j'avais presque plus de blanc, ni de noir. Puis l'avantage, ben, c'est toujours 5,95, je crois, le paquet de 50. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je mets ça ici en attendant. Si vous verriez mon atelier. Ah! C'est épouvantable. Épouvantable. Là, j'ai presque fini de faire mes petites boucles, là. Après ça, je tombe. Spécial, habituellement, je paie 4$ le tube. Aujourd'hui, je ne sais pas, il était en spécial à 2,99$. Donc, 1$ de moins. Fait que j'en ai profité. J'ai acheté mes deux Tacky Glue. Je pense que c'est tout pour Michael. Oui, c'est tout pour Michael, quand même. Et j'ai reçu une petite commande de chez Allez! Très contente. Bon, j'ai ma Gorgeous Rosie. Que ça, je suis contente parce qu'on ne la trouvait plus, la Rosie. Puis je me dis, ah, ça serait beau pour faire mes belles petites cartes des mères, tout ça. Fait que, avec la petite découpe, j'ai ma petite infirmière. Il faut que je la déballe, il faut que je vous montre ça. Je ne sais pas si on va bien la voir. Non, on ne la verra pas bien. Attendez un petit peu. Je vais... Je vais essayer de pogner mon bloc d'acrylique que j'ai renfoncé. Bon. Ouh. C'est de justesse, mademoiselle. J'ai du papier aquarelle ici. Je vais faire avec mon encre pour l'aquarelle. Habituellement, je suis pas très, très fan des tampons qui sont pas bien dimensionnés. Mais celle-là, je suis tombée en amour avec parce que justement, c'est ça qui faisait son charme. Oh, zut, ça n'a pas fonctionné. Oh, j'ai pas pesé assez pour le visage. Bon, on recommence. Non, ça n'a pas fonctionné encore. Bon. Mais, là, quand même, il y a de l'angle dessus. Fait qu'on devrait mieux le voir. Allez, on va tasser celle-là. C'est une petite infirmière avec un gros plaster que je trouvais toute mignonne. Mais que j'aurais pas le choix de tamponner avec... ma planche de tamponnage parce que avec ça, ça fonctionne pas bien. Puis c'est peut-être aussi parce que je suis sur du silicone. Là. J'ai taché mon silicone. Bon. Fait que ça va être quand même. Je la trouvais bien mignonne. Fait que comme ça. Puis le petit message, c'est wishing you a speedy recovery. Je vous souhaite un rétablissement rapide. Donc ça c'est des tampons d'Halloween. J'aurais aimé ça les recevoir d'avance pour participer au concours de Camille. Mais je les ai reçus cette semaine seulement. C'est, bon, les personnages là, que j'aime beaucoup, là, mes filles, là, et avec une chaîne d'araignées, des citrouilles. Ils disent que je suis une sorcière comme si c'était mauvais, une mauvaise chose.
L'Halloween est ici, c'est au travers la toile. En tout cas, je le trouvais très cute. J'ai aussi mes petits fantômes que j'ai reçus. Puis celui-là, je l'ai envoyé à une copine. Mais c'est ça, ici, c'est comme sur un balai, il y a un chien, une souris et un chat. Donc, avec mes trois fantômes. Ça me faisait penser à Gaspard. Tu sais, le petit Gaspard, non? Ça, c'est Noël. Ici, comme ça. Avec des petits rennes, le Père Noël et son traîneau. Des petits lutins. En fait, c'est surtout pour les petits lutins. Et ici, c'était aussi pour envoyer des tamponnages à une de mes amies. Regardez ça, une chorale de chiens. Ici, avec plein de sortes de chiens de Noël. Ici, il y en a un que je trouvais tellement cute, il est enroulé dans les lumières de Noël. Lui, boude. Ça en prend tout le temps un grognon, hein? Fait que c'est ça. Ça, c'est mes nouveaux tapons que j'ai reçus. Puis, qu'il faut que j'emballe, qu'il faut que je fasse des protecteurs à tamponnage parce que je m'en viens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tampons. Là. J'en avais déjà beaucoup et là, c'est terrible. Fait qu'il faut encore que je refasse des protecteurs. Ben, écoutez, je suis en train de tout faire tomber. C'est tout pour mes achats de cette semaine. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo de blabla. Et puis moi, très surprise, franchement, ces petits crayons-là, là, si vous les trouvez. Puis CraftSmart, là, c'est à travers le monde. Hein. Je sais qu'il y a des trucs en Europe, là, les CraftSmart, vous en avez. Donc, très, très, très satisfaite. Puis, il sèche quand même rapidement, là. Regardez, tiens, ça part pas du tout. Donc ça, très contente, je vais pouvoir continuer mes petits bonhommes en pain d'épices. Puis mettre d'autres couleurs que du blanc. Très contente. Sur ce, je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Puis je vous retrouve bientôt. Merci, bye bye!